Bonjour. Je m'appelle Jean-Christophe Arnaud, j'ai 47 ans, j'ai une famille de 5 personnes, j'ai 3 enfants. Je vis dans le centre de la France, à Saint-Pierre-des-Corps, et je gère une entreprise qui est dédiée à l'événementiel. L'indépendance énergétique, c'est quelque chose de très important pour nous. On le voit bien, on en parle de plus en plus à la télé. Les panneaux solaires étaient quelque chose vraiment de très important pour nous, qui nous permet en fait de ne plus être aussi dépendants des différentes crises qui peuvent arriver. On l'a vu avec le gaz, on l'a vu avec l'essence. L'électricité, le tarif est basé sur le gaz, c'est une directive européenne. On a vu aussi que des conflits, par exemple en Europe, pouvaient avoir des répercussions sur nous. Donc voilà, c'est par rapport à tout ça qu'on a décidé de se rendre un peu plus indépendant. Les panneaux solaires sont très efficaces, mais ils permettent d'arriver à une indépendance énergétique de l'ordre de 50%. Avec des batteries, on peut passer à 70%, et c'est beaucoup plus intéressant. Parce que dans la journée, quand les panneaux solaires en fait produisent, mais qu'il n'y a pas assez de consommation, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie? Elle est perdue. Avec des batteries, on peut la stocker et la redonner, par exemple, le soir, quand les gens sortent du travail ou quand les enfants sortent de l'école. Ce qui m'intéressait le plus dans le système WT, c'était la capacité de puissance de sortie qu'il pouvait délivrer, de l'ordre de 6 kg. Ce qui est très important parce que ça vous permet d'alimenter des appareils qui vont être plus gourmands en énergie, comme des PC assez lourds, ou des machines-outils, ou une pompe à chaleur par exemple. WT, je l'ai vu très souvent sur Internet, dans les comparatifs, et c'était une marque qui revenait souvent dans le haut du classement, première ou deuxième, et j'ai vu sur Internet qu'il y avait une communauté qui était assez active. Il y avait aussi le fait que le prix était intéressant, il y avait des offres de lancement, et que WT était les premiers à fournir le système EP600 avec les batteries B500 qui permettait de sauver autant d'énergie de côté, on peut faire je crois jusqu'à 79 kg, et de délivrer une puissance en sortie de 6 kg et en entrée avec les panneaux solaires de 6 kg aussi. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Avec le système qu'on a choisi, c'est-à-dire un EP600 et 4 B500, ça permet de stocker en gros 20 kg de batterie. 20 kW, c'est une grosse maison ou une petite entreprise, ça représente une journée de consommation. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, cette journée, quand vous la multipliez par 365 jours dans l'année, c'est énorme en termes d'économies qui vont être réalisées, quoi. Ça va être principalement de pouvoir recharger des véhicules électriques gratuitement, ça va être de chauffer les locaux. Pour mon entreprise, ça va être par exemple d'alimenter les PC. Vous savez, on travaille avec beaucoup de 3D et il faut des cartes graphiques très puissantes dans des PC qui ont de grosses alimentations. Donc voilà, fournir de l'électricité gratuite à tous ces systèmes, c'est très important pour nous.